La contestation sans précédent aura porté ses fruits au Liban. Les principaux partis politiques libanais conspués depuis plusieurs jours dans les rues du pays ont accepté une série de réformes proposées par Saad Hariri. Face à la pression de la rue, le Premier ministre libanais avait donné jusqu'à lundi à son gouvernement pour avaliser ces réformes jusque-là bloquées par les divisions politiques. Ce dimanche, pour le quatrième jour consécutif, les Libanais sont descendus dans tout le pays pour réclamer le départ de l'ensemble de la classe politique. Les gens accumulent frustration et colère contre un gouvernement très faible et corrompu. Et si les principaux dirigeants politiques ont notamment accepté de ne plus imposer de nouvelles taxes, il en faudra plus pour calmer des Libanais remontés comme jamais.